Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va faire un avion qui tourne et qui avance bien plus vite que la dernière fois. Je vais le faire en créatif, mais bien évidemment vous pouvez le faire en survival. Ce sera juste un peu plus long pour farmer comme à chaque tuto, je le répète, mais c'est un besoin vital. Pas un besoin vital, mais un besoin pour le tuto. Donc on va commencer avec la chose que j'ai cassée avec des fondations en bois. 4. 16 et 8. Comme ça. T'es comme ça. Vous mettez un peu. Pas à côté, mais vous voyez. Genre, faites ça. Vous bougez. Comme ça. Hop. Et hop. Il n'y a pas besoin que ça soit si grand ici. Ou... Donc, en fait, il y a de l'espace pour mettre une fondation dynamique. Avec un petit trou. C'est nickel. Genre, il n'y a même pas besoin de... soit précis précis. Donc vous mettez une fondation dynamique et vous en mettez une deuxième comme ça. Vous allez ensuite prendre des grandes palissades. Palissade, 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 clôture, balustrade, voilà. Vous allez les mettre comme ça. Il faut que ça soit bien au milieu. Donc je compte 1 2 3 4. OK, bien trop. Du coup, c'est comme ça, parce que vous voyez, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y aura 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on casse. Hop. On remet la même, mais juste à côté. Comme ça. Vous allez ensuite... prendre la même, comme ça, et... vous voyez? Ça fasse un espèce de devanture en fait. Donc vous allez ensuite prendre une plus petite balustrade comme ça. Vous allez la coller comme ça bien. En fait, il faut qu'on voit les points bleus. Il faut qu'on voit toujours les points bleus. Donc vous allez reprendre une petite balustrade, vous allez la mettre un peu plus petite, mais coller comme ça avec le point bleu là. C'est comme ça, vous voyez? Référencez-vous au point bleu. C'est toujours important. Donc là, pareil, point bleu ici, hop. Vous allez ensuite prendre une balustrade, la mettre comme ça, vous voyez, point bleu ici, bien, bien au fond. Donc là, vous avez fait ça honnêtement, vous avez fait 90% du travail, je ne vais pas vous mentir. Tout sont assez simple, vu que le jeu n'est pas récent, enfin n'est pas vieux. Du coup, vous allez prendre fondation en bois 448. Et vous allez la mettre ici, pas au milieu, hein, pas obligé, mais il faut que ça soit collé à cette balustrade. Ceux qui suivent mes tutos, vous commencez à comprendre. Pareil, une deuxième ici. Cette fondation sera pour séparer pour les réacteurs et les interrupteurs, pour pas que l'interrupteur active tout d'un coup, parce qu'on n'a pas envie, sinon on ne peut pas tourner. Vous allez ensuite prendre une fondation de base en bois 4, 16 et 2, et vous allez la mettre de sorte que ça soit assez centré. Faut pas que ça touche là, il faut pas que ça dépasse là non plus. Là, ça a l'air bon. Vous allez en mettre une deuxième par-dessus, comme ça. On va faire pareil ici. Comme ça, vous voyez. Là, ça dépasse pas. Et là non plus. Vous allez ensuite prendre un grand réacteur, un grand propulseur, et vous allez la mettre. En fait, il faut que le carré, ok, un d'écart là. Un écart en haut, il faut que ça soit collé en bas. Donc, suivez bien la vidéo, regardez le tuto encore. Ça me fait chier que ça soit la nuit, sinon comme ça vous voyez mal. Mais là, il y a, sur le côté là, il y a un écart, en bas il n'y a rien, et en haut, il y a encore un. Donc là, c'est nickel. Vous avez fait 99% du travail, hein. C'est vous cassez en bas. Là, vous recassez en bas, et là, normalement, ça s'imbrique parfaitement. Vous avez fait ça, c'est nickel. Vous allez ensuite mettre un petit interrupteur ici. Un interrupteur ici, et un interrupteur ici. C'est pas grave s'il y a un bug, hein, vous inquiétez pas. Allez. Ça tourne quand même sur le côté, donc on s'en fout. Et ensuite, mettre un petit ballon. Et un petit ballon ici.
Vous allez ensuite mettre un gros ballon au milieu. Vous mettez des propulseurs ici, ici et en bas sur la première plaque et sur la deuxième. Comme ça, vous avez bientôt fini. Vous récupérez le bois, ça vous stresse. Moi, je m'en fous, mais voilà. Et quand vous avez ça, vous pouvez enfin partir. Voyez? Tu vas aller à gauche, pas de problème. Tu vas aller à droite, pas de problème. Et quand vous voulez arrêter, en fait, le ballon. Là, en fait, on va aller dans l'eau, donc on va un peu plus avancer. Vous tournez la gauche, vu qu'à gauche, il n'y a pas d'eau. Vous voyez? Simple, hein? Après, vous rajoutez de la déco si vous voulez. Et donc, quand on est là, on a juste à attendre. Et le ballon va se déposer tout seul. Regardez. Et voilà, sans cassure. Donc, vu qu'il y a des squelettes, on va redémarrer comme ça. Et on retourne à la base. Donc, je pense que c'est honnêtement pour l'instant le meilleur avion qui a été créé. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me partager vos avis dans les commentaires. Je sais qu'il faut que je regarde de la musique en fond. Ça sera fait dans le let's play du coup, dans le tuto, comme vous avez dit dans la dernière vidéo. Je préfère que ça reste assez naturel, assez tuto, pour que chaque personne trouve ses problèmes à ses tutoriels s'il y en a. N'hésitez pas à me dire si je parle trop vite, si je parle pas assez tranquillement, si vous avez un peu plus de temps finalement. Donc voilà, on va poser le ballon, ce sera la fin du tuto. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi je vous dis à plus.